Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 9 avec notre série. Donc la dernière fois on avait terminé la mission de sécurité en faisant un combat entre un Dilophosaur et un Vélociraptor. Le Vélociraptor l'avait emporté haut la main. Ensuite on a eu des petits problèmes suite à la météo car des pannes de courant se sont fait sentir à cause des tempêtes. Ce qui a eu pour conséquence de faire sauver... 5 des pas mal de raptors et du coup bah on doit tout refaire. Enfin on a dû tout refaire, on a réussi quand même à gérer ça. Même si j'avais un peu les nerfs en pelote on va dire. Et du coup là je vais nettoyer un petit peu le tout pour accomplir la nouvelle mission principale sur l'île, donc à savoir la mission de exploitation dangereuse pour avoir un dinosaure de chaque. Donc Dilophosaure on en a transféré un. Velociraptor c'est en cours et Ankylosaure aussi. Et on essaie de faire des missions, un exploit, des visions scientifiques et divertissement également. Puisque au passage j'avais construit un centre de sécurité ici. Donc là on espère que ça se passera mieux. Les deux dilophosaures supplémentaires sont en cours de création. Enfin en cours d'incubation. Je regarde un petit peu leur sociabilité. Bon ça va. Apparemment ils peuvent être plutôt pas mal, donc c'est plutôt cool. Et après on essaiera de lâcher un ou deux strociominus supplémentaires. Donc ce que je vais faire aussi c'est revendre le dernier. Ah bah je l'ai revendu, c'est vrai. J'ai rien dit. Au passage on a eu quelques décès de visiteurs aussi. Donc on a essayé de régler la situation comme on peut. Il faut laisser un peu le temps faire les choses. Mais sinon voilà, globalement on est plutôt bien. Ce que je vais faire du coup, comme j'ai commencé à le faire pour le Dilophosaure, pour le Vélociraptor à l'enclos, c'est améliorer toutes mes clôtures en acier léger électrifié, en acier renforcé électrifié pour éviter une évasion de Dilophosaure éventuelle dans le parc, vous voyez. Parfait. Très bien. Très bien. Et puis ça, je crois pas que ça coûte plus d'électricité si je me trompe pas. Normalement, tout est bon. On vérifie le contour, le tour de l'enclos. Excellent. Du coup, là, on est plutôt serein. Et on a bientôt la note de l'île à 4 étoiles, donc on a 3 étoiles et demie. Et là, avec plus de dilophosaures et un ankylosaure qui vont arriver, ça va bien aider les choses aussi. Donc, très bien. On lâche 2 dilophosaures de plus. Évidemment, l'autre strociomimus a dû se faire bouffer aussi. Ah non, c'est un sinocératops, mort de vieillesse. Très bien. Pas de panique, on va reformer un. En route pour récupérer l'objectif. Hop, transférons-le. On va voir un peu la tête qu'il a. Donc n'oubliez pas, si vous voulez un nouveau dinosaure, bah, vous me dites votre nom dans le commentaire. Donc j'essaierai d'adapter le nom en fonction de l'espèce. Donc, par exemple, Ogdan, là, tu voulais un Vélociraptor la dernière fois. Je t'ai renommé en Ogdonoraptor pour essayer de suivre un peu le truc. Là, j'ai tout de suite incubé derrière un Sinoceratops pour le remplacer celui qui est décédé. Et derrière, je vais prendre une nouvelle mission de division scientifique pour essayer de booster tout ça. Ce contrat est fait pour vous. Oh, trop facile. Donc ce qu'on va faire, pas de panique. On garde ça, on la retire et on la reprend. Très bien, trop facile. Merci pour ces nouveaux bâtiments qui contribueront à notre développement. Et le raptor, je l'ai oublié ici, vous allez me dire. Ouais. Et ben on va en créer un. Comme ça, la population va revenir à son niveau initial. Donc on est avec 5 raptors, 4 raptors, on est passé à 6. Donc tout se passe toujours bien. Et ça, c'est le principal. Allez. Alors, dinosaure mort, où ça? Ça va être le strociomimus, je pense qu'il a dû se faire bouffer. Et sinon on se rapproche tranquillement des 20 millions de dollars et de la note à 4 étoiles aussi au passage. Ce qui est plutôt que pas mal. Alors l'ankylosaure, comment ça il se passe? Ça va mon grand, tu te fais plaisir ici? Après dès que j'aurai son ADN complet, là je pense que ça devrait changer la donne. Du coup, on va aller dans la formation de l'once, on va trouver plein d'ADN de différents herbivores. Donc ça peut toujours être utile. Hein. Au passage, j'ai plus de recherche. Et je vais peut-être construire. Alors, je sais pas si je l'ai fait, mais j'ai regardé sur la carte.
Est-ce que j'ai construit un centre de division scientifique? Je n'en ai pas, donc il faut bien qu'on ait trois divisions. On a trois divisions, donc si chacune a son centre, ça nous évitera des ennuis. Comme ça, pas de sabotage ou coup foireux ou autre, hein, évidemment. Allez, c'est parti. On relie tout au chemin et c'est nickel. On va surveiller notre niveau d'électricité. Donc on a combien? Il nous en reste 30 encore. Donc on a encore le temps pour encore étendre l'île un peu si on veut. Je sais que vous faites bon, du on va essayer. Hein. Et j'aimerais beaucoup que vous vous chargiez de ce on va essayer. Je te promets rien, mais ça dépend du dinosaure qu'il nous faudra. Chaque nouvelle journée doit être plus palpitante que la précédente. Telle est ma devise. Qui m'étonne. J'ai hâte de découvrir le nouveau génome que vous allez nous récupérer. Eh ben, on verra. Même si je n'y comprends pas. Alors, je vais regarder un peu ce qu'on a. Liste des génomes. Bon, on a tout à plus de 60%. On verra ce que ça donne. Donc, le nouveau Sinoceratops est en cours de transfert. Le Raptor est à 60% d'incubation. Et c'est pas mal. Du coup, je vais juste faire une petite sauvegarde ici. Au cas où qu'un problème arriverait. Donc, si j'ai pas tout fini sur l'île, parce qu'il va y avoir certainement des bonus que je vais louper avec les divisions, je vais vous expliquer. Donc, je ferai du off sur cette île, rassurez-vous. Et j'essaierai de faire en sorte d'améliorer tout ça. Donc, là, le prochain truc, ça sera rendement des fouilles pour la science. Le styracosaure pour la division divertissement, si on réussit le tout. Et la centrale électrique moyenne, puis le baryonyx pour la sécurité. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas ça en vidéo, je ferai ça en off et vous verrez ça ultérieurement. Donc le styracosaure qui était un dinosaure du DLC au passage. Et le baryonyx, je crois aussi, enfin pas du DLC, mais ou du free LC, je sais plus, le baryonyx aussi. Donc baryonyx, cousin du spinosaure. Piscivore à la base, donc mangeur de poisson si vous préférez. Si vous n'avez pas les termes techniques, donc n'hésitez pas à le dire non plus, hein, je peux comprendre. Un peu de simplification, ça fait pas de mal. Ok. Ah, j'entends déjà les raptors communiquer entre eux. C'est con qu'ils n'arrivent pas. J'arrive pas à trouver un moment où ils se sociabilisent entre eux, ça aurait été marrant. Donc le sixième raptor. Eh bah tiens, en parlant de lui. Incubation. Très bien. 6 Gugus ensemble, qu'est-ce que ça a encore donné? Prenons l'ADN, vendons celui du tricé. Eh bien, on va continuer là-dessus. Il existe une théorie selon laquelle, s'il s'écoule suffisamment de temps, tout finit par arriver. Encore? Non, mais faut arrêter là. Non que vous n'y soyez pour rien, mais je tenais quand même à le mentionner. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe! Évidemment, je suppose que c'est séranisé. Donnez aux visiteurs ce qu'ils veulent. Je suis sûr que c'est lui de qui a dû faire le coup. Et de la qualité, vite. Mais surtout de la quantité. Une. Il faut redémarrer les trois centrales. Hein. Allez. C'est pas vrai. On a un problème. Le réseau électrique est HS sur toute l'île. Il est temps de montrer ce qu'on sait faire. Bon, ça va, on a réussi à remettre une centrale en route. On active les protocoles d'urgence et on assure la sécurité des visiteurs. Pigé? Il y a plutôt intérêt. Ici Lambert, on dirait que c'est une panne volontaire. Un sabotage? Ça m'en a tout l'air. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Entre nos ennemis, nos rivaux et les escrocs, il y a le choix. Vite, oui, seconde centrale redémarrée. Dénicher des infos. Terminé. C'est bien, on a réussi à... Ah, étoile filante. Ça fait quoi? C'est... Vous n'allez pas prendre la grosse tête, mais vous avez fait de l'excellent... Par 4 étoiles, j'ai l'impression. 4 étoiles pour les dinosaures, j'ai pas bien compris. Voilà, plus value en plus. C'est tout bénef. Je vais dire quelque chose que j'ai souvent entendu à mon propos. Tchou. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous hop, avez fait. Un petit speedrun, enfin, un petit run sur ça. Récompense de réputation, rendement des fouilles améliorées. Super. Bon, maintenant, il nous faudrait faire une petite mission de division. Alors, on va essayer de faire la division en priorité divertissement, comme ça on aura ce tiracosaure pour plus tard. Une petite mission qu'il vaut mieux accepter. Ouais, celle-là, elle va être compliquée. Note de l'île à 5 étoiles, non. Trop. C'est pas que je veux pas, mais non. Ça va être compliqué, 5 étoiles. Déjà, 4 étoiles, 3, 4 étoiles, je galère, alors 5.
Après, si je termine la mission exploitation d'engrais, peut-être que ça va monter tout seul. Donc, on va attendre un petit peu sur un malentendu. Il faut pas négliger non plus la division sécurité parce que la centrale électrique moyenne, ça peut vraiment nous aider. Clairement, ça nous permettra de construire moins de centrales et gagner de l'espace. Que de spammer les petites centrales à tout va, donc faudra remplacer au compte-gouttes, hein, on va pas s'embêter là-dessus. Alors nos dinosaures là, on les voit tous les quatre. Ok. Alors, ils se déplacent. Ah, ils socialisent entre eux, merde. J'ai peut-être loupé le coche, donc ce que je vais faire, je vais tout de suite prendre une vidéo. Une voiture du poste de garde, pardon, et aller c'est de choper une photo de ces raptors en train de discuter entre eux. Ça pourrait être pas mal. Oui, bah désolé. Alors, chut, je croyais que t'avais raté ton permis. Bah ouais, bah t'es marrant toi. Alors, si je chope la vidéo. Enfin, les raptors qui socialisent en tôt, ça serait cool. Mais là, ça va être trop tard, malheureusement. Mais bien sûr. Qu'il y a du potentiel. Bon, ça va, là. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les trois gus, là? Bon, bah, dommage. On ne l'aura pas. Au moins, on a essayé. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Des fossiles. Oh, parfait. 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 On retourne dans la formation de lance. Et après, je pense qu'on va peut-être avoir le temps. On va peut-être juste se laisser là et puis on se retrouvera pour la prochaine fois sur la troisième ligne, une fois qu'on a terminé la mission divertissement. Donc j'essaierai d'avoir tous les génomes possibles sur le jeu, ça pourrait être pas mal. Et on verra ce que ça donne. Je devrais refaire des captures d'écran, c'est tout. Mais bon, on va avoir beaucoup de dinosaures à gérer, ça va être intéressant. Au pire, ce que je ferai, c'est que je ferai un dinosaure entre guillemets test ou poubelle comme les Struthiomimus. Je le mets en skin original, après je fais un panorama. Ça pourrait être pas mal. Ah, on entend les raptors communiquer entre eux, évidemment. Alors je vais zoomer un peu. Alors où sont-ils, ces gus? Ils sont là. Donc ils ont 5 étoiles, 114 de notes. Rien que ça, rien qu'avec la modification, on a gagné 40 points. Quand même un tiers de la note. Ce qui est plutôt cool. Donc là, je vais essayer. Je vais essayer une mission de divertissement sur un malentendu. Alors. Les affaires marchent. Ah, ça c'est bien. On peut toujours les améliorer avec ce contrat par exemple. Taux de couverture météo, OK. Alors on a combien là? Bah, on va améliorer ici tout simplement. Là, c'est une mission facile. Voilà. Vous voyez? Et en plus on réussit la mission divertissement. C'est magnifique, 1 500 000 dans les caisses, et le génome type STEP est désormais disponible. Vous en doutez, nous avons de nombreux ennemis. Des particuliers comme des sociétés, des organisations prêtes à tout pour s'approprier nos connaissances et notre technologie. Tout le monde ne m'apprécie pas, on me trouve froid et dur, mais personne ne sait ce que moi je sais. Ce n'est pas ce que sait le docteur Wu qui me préoccupe, mais plutôt ce qu'il compte faire de ses informations. C'est sûr. Voilà, donc on a réussi notre coup. Donc là, normalement, on aura bientôt le génome du Styracosaure. Et après, on essaiera de demander une nouvelle mission pour la division sécurité, pour essayer de déverrouiller ce qui nous manque au niveau de la réputation et des éléments disponibles. Et si je faisais mon enfoiré, je vais lâcher les Struthiomimus pour faire un peu chasser les deux là. J'ai eu un coup de foudre pour la façon dont vous avez géré ce contrat. Joli jeu de mots, machin. Très joli jeu de mots. Nouveau fossile. Bon, bah les Montosaures, on l'a déjà. Donc, on va vendre les Montosaures là. Ça, c'est du Corythosaure. L'œuf d'oiseau, on va le vendre. Et on va continuer de rusher un peu tout ça.
tout simplement. Si on peut avoir le truc de divertissement. Ah, on l'a bien. On l'a pas déjà ça normalement. Putain, il manque que ça, sérieusement. Tout ça pour ça. Allez, lâchons les struciomuches. Validiflophosaure. On va se marrer un peu. Une petite boucherie. Regardez-moi ça. Mon vieux, tu vas voir ce que tu vas prendre. Déjà, il panique. Là, lui, il se retourne. Les autres, je les vois pas encore. Vas-y, ramène-toi. On va masquer les statistiques. Attends, il y en a un deuxième. Tu vas tellement prendre cher, mon vieux. Évidemment, je l'ai fait exprès, hein, mais bon. J'espère que vous voyez pas ça comme de la cruauté animale, mais comme un équilibre dans la chaîne alimentaire. On va être honnête. Ah, regardez, il y en a un qui... Et voilà. Bam. De dos. Et puis évidemment, plus on... si un dinosaure en tue davantage grâce à la chasse, et ben mieux c'est, parce que ça va monter sa note, regardez. Infamie de combat plus 4. Donc il avait 107, il est passé à 111. Et l'autre là, il est en train de paniquer vu ce qui lui est arrivé à son congénère. En même temps, j'aimerais pas être à sa place non plus. Et là, dernier contrat. J'ai jeté un coup 10 000 dollars. Vous devriez en faire autant. Bon, écoute, on va essayer. Je vais la tenter. 10 000 dollars. On va jouer les paparazzi cette fois. C'est grosso modo ce que propose le prochain contrat. Je vais conduire le véhicule. Je vais essayer de prendre plusieurs raptors en photo. Avantages. Alors dégainez votre appareil et mitraillez à gogo. Ah merde, c'est pas le bon coin. Génial. Bon, au pire, si j'arrive pas à la photo, tant pis, je vous laisserai là, et la prochaine fois, on se retrouvera sur la troisième lieu. Mais j'aimerais tellement avoir le Styracosaur en génome, et le Baryonyx aussi, au passage. Ce serait le premier gros carnivore qu'on aurait. Sachant que notre île a deux enclos de carnivores, et un enclos d'herbivores, où je coupe tout. Évidemment, peut-être qu'un jour, je referai une série sur Jurassic Park Opération Genesis, mais je ferai une autre stratégie de parc, hein. Genre un enclos géant, une connerie comme ça. Voyez ça. Bien sûr, aucune espèce trouvée, t'as raison. Alors, attention, il va nous charger ou pas? Ah, seulement. Dommage. Bon, au moins on aura essayé. Donc on va revendre déjà tout ça. Oh, trop facile. Donc, ankylosaure, on booste. Du coup, on doit exhumer un fossile de dinosaure carnivore, donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode 8 ou 9. J'ai un doute là-dessus. Je dirais plutôt le 9 dans mes souvenirs. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein de Total Coliseum. Je vous dis au revoir les amis, à la prochaine.